Alors bonjour à tous, comme vous savez, maintenant j'ai décidé de faire des petites vidéos sur des nettoyants de produits. Donc là c'est cette marque là, AGKJ. Donc j'avais déjà fait en fait ce produit là pour les nettoyants en fait, pour les moteurs, les compartiments moteurs. Donc là j'ai décidé de vous montrer en fait de la même marque, mais c'est le numéro 24 et c'est censé nettoyer en fait tout ce qui est plastique extérieur pour les voitures. Donc là j'ai fait exprès de prendre mon vieil utilitaire, le Renault Kangoo, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de plastique. Vous voyez, et ça fait vraiment longtemps que moi je les ai pas nettoyés, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment gris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer toute cette partie de gauche, et cette partie droite, je vais la laisser. Donc ce qu'il vous faudra, donc c'est le nettoyant. Donc celui-là, c'est le numéro 24 de la marque AGKJ, ok. Une petite éponge en mousse, vous voyez, comme ceci là, et une petite chiffon microfibre, ok. Voilà, donc je vais placer la caméra et on va commencer par mettre le produit sur toute la partie. Voilà, donc celui-là, vous n'avez pas besoin de le diluer. Okay. Vous mettez directement le produit sur l'éponge. Ok. Voilà. Et on va venir étaler en fait le produit sur le plastique. Mais un peu partout. Vous voyez déjà, si on peut voir déjà le résultat, regardez. Je vais laisser sécher après par la suite et on va essuyer. Mais déjà, ça peut donner un avant-goût. Donc je vais remettre un petit peu sur l'éponge. Sachant que moi, j'ai pas du tout nettoyé le pare-choc en fait. Hein. Je l'ai fait direct comme ça. Donc là, on va s'arrêter là, à la rainure. On va faire le côté aussi. On va faire toutes les parties, tiens. On va faire le réservoir. On va même faire cette partie-là. N'hésitez pas à remettre un petit peu sur l'éponge si vous voyez qu'il n'y en a plus. Ok. Voilà, on va finir le côté. Je vais faire la poignée aussi. Faites toutes les parties qui sont en plastique. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va laisser agir légèrement. Ok. On va laisser agir 10 à 20 secondes. Et après je vais essuyer avec la microfibre, voir ce que ça donne. Donc déjà ça a l'air d'être pas mal. Donc ce produit là, donc je vous le refais montrer. Donc ce produit là, vous voyez, c'est la marque AGKJ, celui-là c'est le numéro 24. Et vous pouvez le trouver soit sur les plateformes d'eBay, soit sur les plateformes chinoises. Voilà, ça dépend, mais voilà, je voulais vous montrer en fait ces différents produits de cette marque là, parce que franchement ils sont pas mal. Donc là, maintenant on va essuyer à la microfibre. Voilà, on va essuyer.
arrivé. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez voir le résultat. Franchement, je l'avais pas fait depuis, franchement ça fait des années que je l'avais pas fait, et vous voyez, on voit vraiment le résultat dans la caméra comme ça. Regardez de ce côté là, bah, j'ai rien fait du tout, hein. On voit bien la différence, et regardez de ce côté là, donc il y a réellement une différence, hein. Ça rénove les plastiques en fait. Donc après, faites le partout, vous avez des... Vous voyez, même celui-là il est vraiment bien noir, la poignée aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait ce nettoyant là. Donc c'est le nettoyant AGKJ et c'est numéro 24. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'essaierai de vous montrer d'autres produits de cette marque là parce que franchement je trouve qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Vous voyez le résultat, franchement ça change tout quand même. Ça rénove votre voiture. Donc moi je vais le faire sur toute la Kangoo. Et après, comme ça, tous les plastiques sont propres. Voilà, donc là, j'ai fini de faire tout le pare-choc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau pour voir. Et on va essuyer pour voir si ça tient bien. Donc, déjà, on peut voir. Déjà, l'eau, vous voyez, elle glisse sur le produit. Et on va essuyer avec une microfibre. Ouais, non, le résultat est... Il est bien, ça bouge pas. Franchement, c'est vraiment nickel. Non, le produit, il est parfait. Vous voyez, ça rénove tout le Kangoo. Regardez, j'ai fait toutes les parties en fait. Je fais tout le côté, l'arrière. Là, franchement, il est impeccable. Donc voilà. Donc, je vais essayer de tester d'autres produits de la même marque. Nettoyant intérieur, je vais essayer de tester quelques produits de cette gamme là et je vous dirai par la suite. N'hésitez pas à regarder en fait le nettoyant capot moteur parce que celui-là il a été bluffant aussi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis je vous répondrai. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.